étude qui a concerné plus de 750 spots publicitaires a montré qu'il y a certes une évolution positive relative en matière de représentation des femmes dans les spots publicitaires, mais elle a montré surtout la permanence de représentations discriminantes à l'égard des femmes, puisque beaucoup de spots publicitaires continuent à représenter la femme de manière partiale et partielle, avec une indexation, je dirais, de la participation de la femme, surtout sur les travaux ménagers, avec une sous-représentation de l'homme en matière de responsabilité pour l'éducation des enfants, mais surtout, la femme continue à ne pas être suffisamment représentée dans l'espace professionnel et qu'elle est majoritairement représentée dans des situations de parentalité. Alors, toutes ces représentations sont vecteurs de stéréotypes et nous savons tous que d'abord la publicité a un impact et un pouvoir d'influence sur l'imaginaire collectif et sur les comportements sociaux. Et nous sommes dans un pays qui, à travers la réforme de la Mdouana, notre pays est en train de s'engager dans un chantier de réforme démocratique absolument fondamental. Et il est important que l'on puisse, chacun dans son domaine, renforcer la culture de la parité, la culture de l'égalité citoyenne pour pouvoir construire tous ensemble une société forte de sa diversité et de sa promotion de cette égalité citoyenne.